Direction la Côte d'Ivoire. Nouveaux accords de coopération en vue entre la Côte d'Ivoire et la République tchèque. Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a été chaleureusement reçu en audience par son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, le vendredi 10 novembre 2023 à Abidjan Plateau. Cette visite marque le début d'une nouvelle ère de collaboration entre la République tchèque et les pays africains, selon M. Fiala. La coopération entre la République tchèque et la Côte d'Ivoire se dessine particulièrement dans les domaines du transport et de la santé. Le Premier ministre tchèque a souligné l'engagement de son pays à établir des partenariats fructueux, avec un accent particulier sur la livraison de machines, de véhicules et d'équipements de transport, ainsi que la formation des professionnels de la santé ivoiriens et la fourniture de matériel médical. Explorer d'autres domaines de coopération. Au cours de ses entretiens, Petr Fiala a également évoqué l'exploration d'autres domaines de coopération, notamment l'agriculture et les technologies agricoles. J'ai noté aussi le grand intérêt de nos amis ivoiriens pour le développement de la coopération dans le domaine de l'agriculture et des technologies agricoles, a-t-il mentionné. Nous apprécions beaucoup le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région. Un point majeur de sa déclaration a été la reconnaissance du rôle vital joué par la Côte d'Ivoire dans le maintien de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Cette reconnaissance explique la présence significative de la délégation d'hommes d'affaires tchèques accompagnant le Premier ministre dans sa mission actuelle. Nous apprécions beaucoup le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région. En même temps, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays à la dynamique économique la plus élevée en Afrique, et qu'il existe ici un potentiel énorme de coopération. C'est la raison pour laquelle je suis accompagné par une nombreuse délégation d'entrepreneurs. Il s'agit de représentants des sociétés tchèques qui sont venus ici pour nouer de nouveaux contacts avec leurs partenaires ivoiriens, a précisé Petr Fiala. Cette rencontre prometteuse ouvre des perspectives de partenariat fructueux entre la République tchèque et la Côte d'Ivoire, renforçant ainsi les liens entre les deux nations et ouvrant la voie à des développements significatifs dans les secteurs clés de la coopération bilatérale.